Bonjour, amis spirituels, poissons, nous faisons ce matin votre guidance pour fin juin, mi-juillet. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Si ça vous ne parle pas, c'est ce n'était pas pour vous. Nous commençons pour le tirage du poisson pour fin juin. Début juillet jusqu'à mi-juillet, je rappelle que je serai de retour après le 25 juillet pour les nouvelles vidéos pour cet été 2021. Alors nous allons pour les poissons. Pour les poissons pour cet été, tirage 2021. Poissons pour cet été. Alors on me dit ici que... Les poissons, vous sentez quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors, comme une petite sardine, c'est que vous sentez quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui on me dit peut-être aussi que vous avez fait des rituels ou des prières pour que quelque chose arrive à vous. Bon, ça tombe pas comme dans mon sens, parce qu'il en faut que une pour les poissons. Allez. Bon. Ça veut pas les poissons cet été pour les poissons s'il vous plaît, pour les poissons s'il vous plaît. Poissons s'il vous plaît, une carte pour les poissons s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour les poissons. Alors on me dit que vous sentez quelque chose qui arrive à vous après une période de réfléchissement, ou peut-être que vous avez pris une décision, que on me dit que vous pouvez avoir réfléchi à quelque chose. Il y a une situation où vous ou une personne, pour nos amis les poissons, était dans la réflexion pour soit un choix, soit une décision, quelle possibilité prendre. Mais vous sentez aussi que quelqu'un peut avoir pris une décision. Donc ça peut être dans le sens inverse, ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial. Il y a eu un temps de réflexion, un temps de décision. Il peut y avoir aussi eu un temps de manque de dialogue, un arrêt de correspondance. On me dit que vous reprenez correspondance, que cette personne va correspondre avec vous par téléphone, par mail, par appel. Cette personne, par courrier, va revenir ou alors vous pouvez retourner vers une personne. Vous pouvez reprendre correspondance après un moment de réflexion. Vous voyez, on me dit qu'il y a le retard. Donc, il y a eu quelqu'un qui a peut-être pu partir ou sortir de votre vie, mais après une période de réflexion, peut-être qu'on avait besoin de se retourner, de réfléchir, une personne revient, mais avec du retard. Peut-être que cette personne revient avec du retard parce que il y aura beaucoup de dialogue avant, de remettre les cartes sur table. Peut-être que cette personne revient aussi avec du retard parce que y a de la distance niveau kilomètre. Mais on me dit que de toute façon il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. On ressent une énergie tierce que vous pouvez aussi vous diriger vers une personne après un long moment de réflexion. Si cette personne revient vous parler, dites-vous que ce n'est pas pour rien. On me dit qu'il y a un verdict. Donc, la personne ou vous allez prendre la décision, peut-être de revenir. Après, ça peut être aussi un enfant. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui attendent qu'un enfant revienne ou un jugement pour avoir un enfant. Mais ça peut être aussi en amour. C'est un tirage général. Ici, on me dit
que la parole revient. Vous allez revoir cette personne, revivre des choses avec cette personne. On me dit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, hein. Allez, pour le tirage des poissons, on va couper. Vous voyez, on me dit que après la séparation, vient le changement. Donc, il y a vraiment bien une personne qui revient vers vous. Et vous, vous attendiez cette personne. Hein. On ressent que c'était quand même quelque chose qui vous tenait à cœur. Ou la personne même pouvait attendre ce changement. Il y a une joie. Il y a une joie de retrouver une personne. En tout cas, si vous êtes en attente de quelque chose, de quelqu'un, un jugement ou l'amour qui est quelqu'un, en fait quelqu'un se dirige vers vous dans les énergies, on le sent. Ça a été bien réfléchi, ce n'est pas un acte, ça a été réfléchi pendant un moment, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a une joie, ce sont des retrouvailles et je pense que vraiment il y a un nouveau départ, un changement pour vous qui va être vraiment catégorique. Et on a mis carte sur table avant de se retrouver. Hein. On me dit qu'il va y avoir aussi une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent. Peut-être que cette personne aussi est partie au loin pour travailler, possible aussi qu'au final l'attente c'était pour une raison, une cause bénéfique. On me dit que cette personne, ça fait longtemps que vous attendiez le message de cette personne, parce que pour l'instant je vois un message, après peut-être que le retour est déjà fait, mais ça fait longtemps que vous attendiez hein, ce changement. On me dit qu'il y a un compromis, donc ça peut être au niveau du travail, mais aussi comme je vous parlais d'enfant, il y a peut-être un retour d'un enfant qui revient. Après, ça peut être aussi un compromis si une personne vit avec vous. Vous avez vraiment mis de cartes sur table, comme je vous disais, et du coup, la balance, je ne vais pas dire c'est une balance, mais la balance est dans les deux camps et vous avez vraiment eu un accord, vraiment une discussion, un temps de discussion, un temps de réflexion avant de revoir cette personne ou vous remettre, vous voyez, dans. Parce qu'il peut y avoir eu une trahison. Pas forcément une trahison amoureuse, peut-être, mais il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que, quelquefois, pour une petite broutille, une dispute, on peut avoir, malheureusement, une séparation, un laps de temps. Puis, ça peut se remettre après, vous voyez. C'est un tirage général, donc je rappelle que ça ne parle pas à tout le monde. Mais je ressens vraiment ce retour de cette personne dans un bon sens. Hein. On me dit aussi que cette personne, pour vous, peut venir de l'étranger. Vous pouvez vous déplacer aussi à l'étranger pour retrouver cette personne. Après, ça peut être au niveau travail. Hein. Vous pouvez correspondre avec des gens de l'étranger dans le travail. Et on me dit que il y a une fatalité, donc ça vous est tombé dessus, quelque chose, peut-être un voyage à l'étranger, enfin, peut-être aussi que quelqu'un a dû faire un déplacement, que vous avez dû faire un déplacement à l'étranger, et que ça a créé une séparation, et que maintenant vous êtes content de retrouver la personne, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus pour cette séparation, mais je ressens là cet été, cette retrouvaille. Donc peut-être aussi c'est parce que ce sont les vacances qui arrivent et que forcément les retrouvailles, vous voyez, les réunions, vous retrouvez des personnes, hein, des personnes qui vous tenaient à cœur, hein,
une personne en général, mais vous voyez, enfin à la maison, enfin on est là réunis. Et ça c'est une bonne nouvelle pour nos amis les poissons qui retrouvent leurs petites sardines. Vous voyez, ça peut avoir mis du temps. Vous pouvez aussi apprendre qu'un de vos enfants ou vous pouvez apprendre une grossesse autour de vous ou vous-même. Peut-être après que c'était aussi une grossesse qui était désirée, que ça a mis du temps à arriver et que vous apprenez au final que vous êtes enceinte. C'est fort possible aussi, et je vous dis, c'est un tirage général. Et donc, ça parlera pas forcément à tout le monde. Donc, il peut y avoir une difficulté de tomber enceinte et qu'aujourd'hui, eh ben, vous avez la chance d'avoir le bonheur et vous avez le bonheur d'apprendre que vous êtes tombée enceinte. Ou peut-être que quelqu'un autour de vous a cherché pendant longtemps. Vous voyez, un retour de quelqu'un, on me parle de sexualité. Moi, je vois des retours amoureux. Hein. C'est vraiment une fusion, un retour qui est là. Et c'est vraiment... ça faisait longtemps que vous attendiez ce retour. Hein. Cette communication. Mais on me dit que faites attention parce qu'il peut y avoir un échec. Donc, méfiance quand même. Il peut y avoir un échec sur ce retour. Bon. Pourtant, c'est pas trop ce que je ressentais. Ah, un échec parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie autour de vous. Donc, comme on dit, pour vivre, revivons cachés. Donc, bon, je vois pas que c'est méchant, mais il peut y avoir de la jalousie. On me dit que vous avez l'ouverture pour ce retour et que on peut me dire aussi que n'ouvrez pas votre porte. Faites attention aux connaissances et méfiez-vous des gens qui vous entourent. Ça peut être un signe aussi pour vous prévenir que voilà, la jalousie est là et que il faut vous méfier des gens qui vous entourent. Vous savez, tout le monde le sait, que quelquefois, malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Alors, on me dit que vous êtes entouré d'amis, justement, et faites attention, parce que peut-être que quelqu'un dans vos amis peut vous jalouser. Quelqu'un peut vous jalouser. Jalouser. Je sens que ça parle aussi. Jalousie. Hein. La jalousie. Bon, mais sinon, dans l'ensemble, c'est un beau tirage pour nos amis les poissons. Le poisson, on sait quand même qu'il est spirituel et que s'il y a quelque chose qui arrive à vous, ne pas bien, vous le sentiez, hein. Donc, vous le ressentez. Bon, voilà, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, comme on dit. Hein. Et on me dit que c'est une nouvelle chance qui s'offre à vous. Donc, il y a un retour en communication avec quelqu'un, et voilà, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous. Je pense que vous allez être jalousés, les amis poissons. Il y a quelqu'un qui vient, qui repart. Il y a un effet boomerang. Bon, mais bon. Peut-être aussi au niveau du travail. Hein. Mais moi, je voyais des belles cartes hein, pour les amis du poisson. Ensuite, il peut y avoir aussi des amis qui viennent et qui viennent. Et c'est peut-être pour ça que nous voyons la jalousie. Hein. Vous allez recevoir un cadeau. Donc oui, c'est ça. L'effet boomerang aussi peut être un cadeau reçu chez vous. Hein. Vous pouvez aussi, pour vous, boomerang, ça peut être aussi des SMS, des mails à envoyer. Pour vous, c'est un cadeau. Mais je vois pas de mauvais tirage pour les poissons. Voilà, pour les poissons, c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Je vous retrouverai après le 25 juillet pour de nouvelles vidéos pour cet été, après les vacances, mes vacances. Je vous souhaite à tous un bon été. Je vous souhaite à tous de vous protéger. Et à bientôt pour mes tirages généraux sur ma chaîne. Au revoir.